quand les moments ils viennent difficiles, émotionnellement, tu es atteint. Et si tu rattrapes pas le cap, bah, tu vas nulle part. J'ai su rattraper le cap, travailler comme j'ai toujours su le faire. Cette passion, cette envie, cet engouement, j'ai toujours eu au fond de moi, il fallait juste que je la réveille. Né en banlieue parisienne au Blanc-Mesnil, Medin Gwama n'a pas eu, lorsqu'on l'écoute, la vie facile et une trajectoire rectiligne sur la voie du succès. Son père congolais et sa mère algérienne se séparent et le gamin se raccroche à ses envies de basket. Ballotté entre différents clubs, il finit par intégrer un centre de formation à Nancy, rejoint l'équipe de France des moins de 18 ans et se retrouve en 2013 à Los Angeles avec les meilleurs espoirs du basket de la planète. Sous les couleurs de l'Afrique, il flambe contre les USA. 18 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Tout change d'un coup. Je me sens revivre. Parce que voilà, comme j'ai dit, en équipe de France, j'étais souvent sur le banc. Le coach ne me faisait pas souvent jouer, etc. Mais quand je vais là-bas, tout explose. Mon talent, cette envie de jouer avec mon équipe, de montrer ce que je vaux sur le terrain. Dans la foulée, un conseiller lui vend un rêve américain. Signature dans une université avec en vue le championnat le plus spectaculaire du monde. Mais le jeune homme tombe très vite de son nuage et ça fait mal. Les problèmes de santé et administratifs s'enchaînent. Au bout de 2 ans, Mehdi rentre en France désabusé, prêt à abandonner le basket. C'est alors que quelques-uns s'activent pour lui faire remonter la pente. Son ancien éducateur à Nancy le recommande et Mehdi signe enfin chez les professionnels à 2 ans. Prenez le temps, décalez-vous. Après une bonne saison dans le Nord, Guillaume Vizade, qui le connaît depuis qu'il a 15 ans, le fait signer en Auvergne. Sa trajectoire, c'est aussi ce qui fait sa force de caractère. Il a vécu des étapes qui ne sont pas forcément évidentes, côté vie privée, côté parcours sportif. Et finalement, le fait de ne pas être sur une trajectoire où il y a toujours eu une place pour lui, où il a dû aller la chercher, je pense que ça fait que lui, il a des motivations supplémentaires. Depuis le début de la saison, le meneur ailier joue plus de 20 minutes et score près de 12 points par match. Il a un premier pas dévastateur, Mehdi. Vraiment, il a fait la différence sur un pas, sur un dribble. Il est super vif. Ensuite, il a une très bonne adresse. Il a vraiment progressé sur son shoot extérieur. Avant, personne ne respectait son shoot. Et maintenant, il a une très grosse adresse à 3 points. Donc, il est efficace, en fait. Je pense apporter beaucoup d'enthousiasme, de l'énergie. On m'a signé d'abord pour ma défense, évidemment. Mais voilà, le fait que je sois assez électrique comme joueur, qui peut changer certaines situations, c'est un bonus. Où il doit progresser, c'est dans les lectures de jeu et à développer encore son rôle de meneur de jeu, à savoir gérer une équipe avec des talents ici à gauche et à droite, à voir où est-ce qu'on doit taper pendant un match. Voilà, je l'aime bien ce petit. Le joueur a encore un peu la tête aux States. En témoignent les quelques photos qu'il partage sur les réseaux sociaux aux côtés de joueurs estampillés NBA, le championnat professionnel américain. Il a toujours des amis là-bas et l'envie de pratiquer un basket spectaculaire. J'ai toujours eu cette envie de scorer, mais faire briller mes coéquipiers en même temps. Ramener de l'envie aux personnes qui regardent le match, parce que de base c'est un spectacle le basket. Et j'ai toujours eu cette envie de montrer aux gens. À seulement 23 ans, Mehdi Gwama a parfois le sentiment d'essayer de rattraper le temps perdu, de lutter contre un destin qu'il n'a pas gâté. Et pourtant en ce moment, il est plutôt bon dans une équipe qui tourne. Lui qui a rencontré sa compagne pendant sa période noire, vient d'accueillir une autre petite femme dans sa vie, comme une nouvelle victoire.